Bonjour à tous, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut démonter ce genre de petit smartphone Samsung Mini, voir si c'est facile à opérer. Donc ici il y a le capot arrière. Jusqu'ici, pas de difficulté, on enlève le capot arrière, on enlève la batterie. Et on observe qu'on a une, deux, trois, 4 et 5 vis. Faire ça avec un tournevis 1,2 x 30 aimanté de préférence. Ça évitera les mauvaises surprises. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour sortir les vis. S'il n'est pas aimanté, votre tournevis, prenez un petit haut-parleur et vous le laissez quelques jours dessus. Il va s'aimanter. Voilà. Donc là, on a enlevé les vis qui tiennent la partie arrière de la partie avant avec ce type d'outil. On va désolidariser l'ensemble. Ça résiste un peu. Voilà. Donc là, partie arrière, on arrive à cette étape-là. Et ici, donc, on a deux petits connecteurs là à faire sauter délicatement. Celui-là, celui-là. Puis sortir le circuit imprimé, ça ne va pas être très compliqué, il devrait venir assez facilement. Voilà, donc nous voici arrivés sur la partie vitre écran. Pour sortir l'écran, même aventure. On sent que c'est collé. On y va doucement. Hop, on entend la petite colle qui vient. Et voilà. À partir de là, soit vous avez besoin de remplacer un écran cassé. Et donc vous remplacez cette pièce, le verre plutôt, le verre cassé de protection, vous remplacez cette pièce, soit c'est l'écran qui est HS et vous remplacez cette pièce là. Et pour le remontage, ben, chemin inverse de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis ben, à bientôt.